Salut à tous. Aujourd'hui, on va aller tester une nouvelle adresse sur Reims où il y a des plats végétaliens. C'est un restaurant brésilien. C'est juste derrière là-bas. Et j'espère que ça va vous plaire. Vous nous suivez ? On a une jolie couleur. Ça a l'air bon, non, quand même. Ah, c'est chaud. Non, c'est grave, non. On dirait du pain pas cuit avec un goût de fromage et de thym. On dirait du kiwi, non ? C'est bon ? C'est frais, en fait. Salut à tous, bon bah on se retrouve, je voulais vous faire un petit débriefing donc de notre cher restaurant La Bossa. Donc ce n'est pas un restaurant vegan, hein, mais il y a beaucoup d'options végétariennes et véganes dedans. Le retour de Nyxa dans les vidéos, il fait pas beau aujourd'hui donc elle reste à la maison, elle aime bien dormir. Croyez-moi que dès qu'il pleut, eh ben on la voit plus. Hop, elle est dans son canapé, dans son lit, dans son panier, mais elle sort pas de la maison. Alors qu'elle adore aller dans l'eau, chercher l'erreur. Donc je vais vous reprendre. Donc La Bossa, c'est un restaurant brésilien à Reims qui a ouvert, je pense, il n'y a pas très très longtemps. Je ne pourrais pas vous dire exactement quand. Il est assez proche de la mairie de Reims. Pour ma façon à moi de voir les choses, alors on a pris un brunch tous les deux. 19,90€ le brunch. Vous avez donc entrée, plat et dessert, boisson chaude et boisson froide, j'ai oublié. Mon copain a pris une bière en plus, une bière justement importée du Brésil. Donc il y a pas mal de choses importées du Brésil, donc on peut comprendre que le prix soit un petit peu plus haut. En soi, un brunch à 19,90€, c'est correct, mais j'ai trouvé que les proportions étaient un peu faibles. Pour mon copain déjà, c'était sûr, c'était pas assez, mais même pour moi, j'ai trouvé ça un peu juste. C'est un peu dommage, mais en soi j'ai découvert beaucoup de choses, beaucoup de nourriture et c'était très bon. Donc ça compense le fait qu'il n'y ait pas énormément de portions. Alors ce qui est super aussi, c'est qu'ils prennent les tickets restaurants, les chèques déjeuner, ce genre de choses. Donc ça vous fait quand même quelque chose de beaucoup moins cher. Nous pour deux, on en a eu pour 45€ et quelques, donc les deux
les deux brunchs à 19,90€ plus la bière. Alors, ce qui est top, c'est que vous avez un jus d'orange pressé, vous avez une boisson chaude au choix, donc vous avez thé, café, chocolat. Le café est du café, du vrai café brésilien. Ensuite, donc pour l'entrée, nous avons eu, comme je vous ai montré, alors mon copain lui avait pris quelque chose de différent. Hein. Ok, ça va, tranquille. Bon, madame se gratte. Bon, je vous disais pour l'entrée, donc ils nous servent le jus, le thé, et vous avez le droit à deux petites boules à peu près de cette taille de... Donc c'est végétalien, il y a du fromage végétalien dedans, ça fait comme une petite pâte pas cuite de pizza avec un goût de thym et du fromage à l'intérieur. Ensuite, au niveau du plat, mon copain avait pris une salade composée à base de céréales. Et moi, j'avais pris donc l'option végétalienne qui était une galette de tapioca, donc farine de manioc, avec du tofu fumé, un peu de sauce tomate et du fromage végétalien. Très très bon d'ailleurs, c'est différent de ce qu'on peut goûter. Hein. Il y a une petite salade qui est accompagnée et c'est agréable parce que bon, les farines de pois chiches ou même blé, les trucs un peu plus classiques, maïs comme les faritas par exemple, ça on connaît un peu et là on a un petit goût complètement différent qui vient s'ajouter. C'est plutôt agréable et la salade était un peu sucrée salée donc moi j'ai adoré personnellement, top. Mon copain m'a dit pareil, il faisait des goûts que j'ai pas l'habitude de manger, c'était très bon. En dessert on a pris du coup une sorte de petite verrine comme ça de fruits d'açaï. Alors je ne connaissais pas ce fruit avant, pourtant j'en ai fait des voyages mais je suis pas allée en Amérique du Sud encore. C'est prévu un jour, hein, mais pour l'instant, bah, avec les conditions actuelles, c'est un peu compliqué. Et du coup, l'açaï, c'est des petites baies, je sais pas, c'est grande comme ça, c'est vraiment tout petit, c'est la taille d'une groseille à peu près. Du coup, ils nous ont fait un petit, une petite verrine, comme un smoothie presque, avec donc de l'açaï. Vous aviez des graines de pavot, du chocolat et du muesli dessus. Puis quelques fruits, il y avait des framboises, un raisin aussi, du kiwi, enfin ce genre de choses. C'était frais et très agréable à manger. Alors ça c'est une très belle découverte, moi qui ne connaissais pas, j'ai adoré et mon copain aussi. Donc clairement, nous avons aimé, mais les quantités n'étaient pas assez importantes pour le prix payé de ce qu'on a trouvé. C'était plutôt bien, mais on a adoré. Du coup je voulais vous parler aussi du panier Too Good To Go que j'ai récupéré à Monoprix. Donc je vous mettrai les images, hein. On a récupéré donc des petites choses et tout. Bon c'était un semi-fail on va dire, parce que comme par hasard, je demande un panier de légumes. Donc légumes, pour moi c'est fruits et légumes, c'est pas d'autres choses. Donc j'ai eu de la boulangerie et d'autres choses qui n'ont complètement rien à voir, donc vous allez le découvrir tout de suite. Et puis bah je vous laisse avec ça. Coucou. Bon, je reviens vers vous pour l'application Too Good To Go. Je sais pas si vous connaissez, donc c'est ça. Il y a aussi Phoenix dans le même genre. Nous, on va s'intéresser à celle-là. Donc, j'ai fait un panier et je vais vous montrer ce que j'avais eu. Donc, dans le panier, c'était un panier pour Monoprix. Donc, pour l'appli, le panier, c'était un panier légumes et fruits végétariens. Je vous montre ce que j'ai eu. Donc, j'ai eu un paquet de chips au cheddar. C'est un petit paquet de chips. Effectivement c'est bien végétarien. Un petit pain en tranche. Alors tout date du jour parce que justement ils n'ont pas le droit de vendre des invendus périmés. Hein. Une petite gaufre liégeoise. Un mélange de crudités, donc carottes, choux, je crois que c'est tout. Ah non, il y a du céleri aussi. Et un grand sachet de salade. Alors c'est pas des choses que j'achète naturellement, mais je trouvais ça bien parce que le panier était à 3,99€ et il y a encore autre chose. Voilà, alors ça c'est le gros fail de la vidéo, c'est du poisson. Je vais le proposer à mon chéri si ça l'intéresse, sinon ben, je demanderai à mes parents ou à quelqu'un qui en mange. Alors certes, pour 3,99€, ben, on en a pour son argent, hein, parce que là il y a quand même écrit 9,99€,
Et quand on dit que c'est un panier, donc fruits et légumes végétariens, pourquoi il y a du poisson dedans? Surtout que c'était bien précisé fruits et légumes. Enfin bon. Après, pour 3,99€ tout ça, c'est vraiment pas cher. Je pense que je retesterai des paniers Too Good To Go dans d'autres enseignes. J'ai vu que les magasins bio près de chez moi le faisaient aussi. Ça peut être intéressant dans les 4-5€ pareil. Sur ce, je finis la fin de la vidéo ici. J'espère que vous aura plu, que ça vous intéresse, que je partage mes bons plans, que je découvre au fur et à mesure. Donc, comme je l'ai dit, moi je suis pas de Reims, mais comme la ville n'est pas si loin que ça, moi j'habite en campagne, quand j'ai des bons plans, et ben je les partage. Et voilà, on a la chance d'avoir donc la Bossa et le restaurant vegan, la végétable de disponible. C'est toujours mieux que rien, hein, plutôt que d'aller au Flunch ou à Ikea. D'ailleurs, je ferai sûrement une vidéo sur Ikea, parce qu'on a un Ikea. Et du coup, il y a les boulettes végétariennes ou vegan, il me semble. Non, je crois qu'elles sont même vegan. Et il y a aussi le petit hot dog là qui dépanne bien. J'en ai déjà mangé, je trouvais ça bon. Donc ça pourrait être sympa aussi de faire une vidéo test sur Ikea, même si je pense que vous connaissez déjà un petit peu le concept. Mais voilà, donc sachez que à Reims, vous pouvez trouver la Bossa, la végétable, Ikea et parfois Flunch, mais ils ont baissé en entrée de gamme et maintenant ils mettent du beurre dans leur plat. Avant c'était de la margarine, alors méfiez-vous quand même. Voilà, je vous fais de gros gros bisous, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous surtout, bye bye. Tu dis au revoir Onyx? Tu dis au revoir à la vidéo là. Tu dis au revoir. Ouf. Ciao.